Alors, tu as combien de canapés chez toi? J'ai un canapé chez moi dans mon salon. C'est le même depuis pas mal d'années et je l'aime beaucoup, il est très confortable. Si tu pouvais travailler avec un autre membre de ta famille, ça serait lequel? Avec ma mère. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui t'inspire, une femme inspirante? Pauline Lignon. La fondatrice de Gemio, c'est une marque de joaillerie française, made in France. Est-ce qu'il y a une marque d'ameublement que tu trouves impressionnante, que tu admires en dehors de la maison convertible, que ce soit en France ou à l'international? Il y a des très belles boîtes. Roche-Bobois fait de l'excellent travail. IKEA est un succès, success story incroyable. Très bien. Des boîtes comme le Roi Merlin font très très bien leur... Enfin, c'est pas exactement de l'ameublement, mais c'est, ouais. C'est très, très... L'application que tu utilises le plus? Malheureusement, X, anciennement Twitter. Twitter. Une fois qu'on est accro, c'est difficile de décrocher. Il ne faut juste pas trop lire les commentaires. Voilà. Tes dernières vacances? Du coup, le pays où je suis parti, c'était l'Inde. Stand. Et c'était extraordinaire. C'est un pays peuplé avec 1,5 milliard de personnes qui a leur propre culture, leurs propres problèmes, leur propre économie, leur propre avantage. Et puis j'ai adoré les Indiens, c'était superbe. ChatGPT, émerveillé ou apeuré? Plutôt émerveillé, ça dépend ce qu'on en fait, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais je pense que ça peut vraiment aider, ça peut nous aider à être meilleurs, à nous perfectionner. J'espère qu'on saura l'utiliser de la bonne des manières. Et le dernier livre que tu as lu? L'autobiographie de Matthew McConaughey, qui s'appelle Greenlight, et il raconte toute sa vie. Il a une vie assez spectaculaire, une vie pleine d'aventures, de courage. Il a fait énormément de choses, et en fait, ça s'appelle Greenlight. Du coup, il raconte comment est-ce qu'il a pu, au fil de sa vie, prendre les feux verts, choisir prendre les bonnes directions, et éviter les feux rouges, qui l'ont mené du coup au succès. Super bouquin que je vous conseille. Merci beaucoup pour cette recommandation et merci d'être venu sur le plateau de Smart Boss. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Au revoir.